Mauvaise nouvelle pour un pile haïtien qui t'a préparé passeport yo. Oh oh, fais ma lettre, dis amis, famille, au revoir. Frères et sœurs bien-aimés, 20 États dans le pays les États-Unis d'Amérique attaquent le gouvernement Biden devant un tribunal fédéral pour programme humanité. Selon État républicain, yo, programme ça a violé loi sous immigration. Mais est-ce que gouvernement Biden n'a pas au courant de loi sous immigration ça avant même yo te décidé programme humanitaire? Frères et sœurs, restez là, ou pral jouen détail. Premier ministre Ariel Henry dans Buenos Aires, capitale pays Argentine, l'a participé dans sommet CELAC, comme dire, yon groupe haïtien débarqué, commencé manifester, dit premier ministre Ariel Henry, lage pied ou pas fin représenter haïtien puisque ou illégal et illégitime. Mais l'on regarde comment PM nan campé, mes amis, parmi toutes l'autre responsable, yon peuple haïtien, bagay la grave, oui, c'est qu'on y a nous autres dans le monde. Oh oh, gagné ministère commerce et industrie qui mettait note d'ailleurs au conseil de transition un papa ici qui pour le siège là à la tracaboule avec Haïti beaucoup n'y a là au conseil là pour faire business beaucoup de gens saisi comme ça. Nous prenons plus de détails, allez chez vous chita confortablement, fou qu'on s'en mette et faut pas rentrer la caille ou c'est un plaisir. Tout tripotaï ça y'a un bon petit mamite, sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'annouye, encore une autre fois m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou avec patience ou merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou fouko. Nous t'ai quelque chose présenté ou yon petit compte aïe et compte ça qui c'était moi gagné 3G moi ouais dans un seul. Merci à chaque fanatique qui t'ai commentaire réponse dans c'est cocoyer on parti cri crack pour nouveau compte nous gagné mal chercher sauver sauver vivant vam mal chercher sauver sauver vivant vam pas hésiter quitter élément de réponse par là dans commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile. Gros nouvelle mon amyo bienvenue c'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est depuis où c'est haïtien ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner commenter liker partager vidéo pour travailler là capable avancer zami pao fouk. Ou même qui t'es déjà appliqué dans le programme humanitaire gouvernement Biden, bon, félicitations. Mais ou même qui t'a préparé passeport, qui pote co-appliqué, donc, bagay la on t'y compliqué. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, 20 États américains, dont Floride fait partie de l'I, attaqué hier devant un tribunal fédéral, gouvernement Biden pour programme humanitaire immigration conditionnelle, selon républicain yo, eh bien, ça viole loi immigration américaine. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça paraît bizarre. Est-ce que président Biden pas connaît dossier loi immigration? Est-ce qu'il n'y a pas de compte ça? Bon, selon diverses informations, c'est que le programme ça a déjà existé pour divers autres pays, mais Haïti peut faire partie de lui. Pour qui ça c'est qu'on a choisi camper ça? Pour qui ça c'est qu'on a attaqué le dossier ça à la justice? Et devant le tribunal fédéral encore? Ça paraît bizarre. Bon, gapil moun qui bat bravo la contentement, gapil moun qui content parce que gapil moun qui nan pays blanc, mais malheureusement, pas gagne assez moyen pour que yo a l'entre famille yo, donc ça te vraiment fait ou nan la peine, vous comprenez? Donc, koun ya la, ça qui paraît un petit genre bizarre, c'est que ou yon moun qui te déjà appliqué, est-ce que yo a continué processus ça? Est-ce que moun sa yo a passé? Ou bien est-ce qu'il a crasé dossier ça définitif? En tout cas, peuple haïtien, restez connecté. N'importe update qui gagne sous dossier ça, n'a toujours là pour nous capables d'informer. Jean que nous t'ai annoncé au premier ministre Ariel Henry, frères et sœurs bien-aimés, débarqué dans Buenos Aires, capitale pays Argentine. Là, il participait dans sommet CELAC. S'entendez ya? Tout responsable au campé pour yon font ti photo, mes amis, gardez photo ça ensemble avec. Tout l'autre responsable yon, yon ti photo yon fait, tu comprends, et puis pour di souvenir, mémoire, j'en oublie. Et puis gardez campé premier ministre là.
Bon, côté protocole grand monde ça. Franchement, me saisi moi tombé. Là, chita dans coup détaché vaisseau et pour chita. Mais immédiatement on campé, mais il a pensé c'est dans savon dans lié toujours. Oh bon Dieu, pauvre Haïti. Non, est-ce que c'est vaisseau là trop petit pour lui ou bien ça qui passé? J'ai l'impression Ariel pas au courant ça l'a fait. À ces gens le campé, li campé tant que monde qui tout sous, qui presque tombé. Oh my god. Voyez, j'ai oublié garder image là peuple ici. Gardez de la gauche vers la droite. Ou après tout le monde, bien campé, bien normal. Monsieur costume yo taché. Gen qui croise mais au devant, gen qui lague mais au tout. Bien normal, bien nice. Et si akabe ta kon gwa il nan photo moun yo, oui. Il gâte photo a carrément, oui. Mais l'on gade Ariel. Salye la papa mon Dieu. C'est quoi l'histoire? Tout le monde bien normal, bien belle. Protocole respecté. Gade, gade président Chilia. Quête. Pauvre Haïti. Ça va passer comme ça. L'autant de l'allemand sommet, c'est pas manger l'allemand, mais l'arrivée là, ma connaissance, on sait quel qui sous biscuit. Non, mon a presque couru, pas qu'à arrêter de camper pour faire photo, et pas qu'à tâcher, mais c'est bon. Ça n'y a pas qu'à aller te comme ça. Mais c'est quoi l'histoire dans le pays, papa, ici? Comment tu les miens pour me comprendre? Bon, j'ai quand même annoncé ou divers haïtiens étaient débarqués côté sommet à ta fête là pour manifester du premier ministre là ou son premier ministre qui illégal, qui illégitime ou pas qui doit marcher représenter haïtien. Peuple haïtien, on nous garder cette vidéo ça ensemble. Voilà, c'est comme ça s'atteye dans le pays Argentine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, gon déclaration qui fait, donc, nous jugeons qu'elle est important pour nous parler de ça encore jeune et jeudi. Yon nan membre gouvernement Ariel, qui c'est André Michel, dit, si pas gen intervention militaire, pas capable gen élection en dedans pays. M'pas qu'on est sous comprendre ça le dire. Droit pour voter à peu pas ici ou pas gen bagay comme ça encore. Droit pour voter dans le pays d'Haïti ou pas gen bagay comme ça encore. Parce que yon simple citoyen pas ka kapel dou s'il pas joine ça, eh bien, ça pas ka fait. Et ça ka fait là, c'est ça ka bon pour le pays. Et ça ka sauver le pays à peu pas ici. Et c'est pas pour sans raison, pas Borisite. Nous toujours prenons ça, nous prenons temps, nous pour nous détailler, pour nous dire, mais qui importance gang yo gagné devant zye politiciens yo, devant zye hommes d'affaires yo. Mais malheureusement, en pile dans nous, toujours mal comprendre. Qui te m'explique yon bagay qui clair à partir des déclarations ça, le petit chimpanzé te fait hier? Qui te m'dit? Monsieur politicien yo besoin gang yo pour yo prendre pouvoir. Monsieur politicien yo yo besoin gang yo pour yo prendre pouvoir. Nèg nan secteur privé a besoin gang yo pour yo déstabiliser pour business yo ka passer pour vie contre malachon capable fait. Donc, là que si messieurs politiques fin jouen pouvoir kounya la,
Yo pas besoin gang yo encore faut yo créer un moyen pour yo touyer gang yo. Faut yo créer un moyen pour yo éliminer toute base gang yo te créé yo. Parce que yo nan pouvoir koun ya, yo pas d'accord pour gang a perturber toute la cette journée. Yo pas d'accord pour gang après des fêtes yo fait yo mal garder non chalet manifestation, yo pas vle bagay comme ça. Qui te m'explique yon bagay? Francis a bien aimé, le grand président qui est élu. Des fois, ce n'est pas président qui n'a pas de volonté pour travailler, pour avancer ensemble avec le pays. Des fois, ce n'est pas président, nous pas bon monde. Mais on est capable dans le pays d'Haïti souvent. Manifestation faite contre président. Li pas faite contre sénateur, pas faite contre ministre, pas faite contre et c'est contre président manifestation faite. Comment bagay pour comprendre? Gon série de nèg qui conseillait président. C'est ça que fait pas Borisite. À chaque fois lis non nèg ça au prend la ri. Nous toujours poser grande question ça. Qui conseille moun sa yo bay président? Parce que l'opre nèg tankou Lambert, l'opre nèg tankou Yuri la tortue, rat konne chat konne Barik Maï arrête là. Son série de moun nous konne dans la République. La journée, nan nuit, nous pas besoin chandelle pour nous clairer. Nous konne qui est yo yé. Nous konne sa yo kafe, nous konne qui dégât yo fait déjà dans la République. Et puis, joune jodi a wap genye, communauté internationale la, kap sanctionne yo, parce que yon an sak pa sa, et puis c'est même communauté internationale sa nap ton, qui pou vin mette sécurité dans le pays nous, tandis que se yo encore kap sanctionne dirigeant dans le pays nous, qui ap gangsterise pou ap ton yo vin mette sécurité. Mais c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on voit comment bagay la bizarre? Si moun sa yo se conseiller spécial président yo yé. Si moun sa yo tout la cette journée yo nan parle mes amis. Et puis c'est au même encore le rive non moment qui pral fait partie de opposition. Tande bien papa ici. Qui pral craser, qui pral briser, qui pral déstabiliser, qui pral dit président ça ou pas supposé rete. Mais posez tête ou question. Qui conseille ou tabay président pendant tout temps ça? Pour qui ça ou en tant que conseiller ou vin rive non kafou se position son prend ou pas quand pas président mais se flèche ou ap tire sou li tout? Bon problème. Bon problème papa ici. Donc tout conseil ou tabay président c'est pour le fait été, c'est pour le faire bêtise et puis pour ka jouen assez de data, gade non pour ka frapper nan figil pour destituer président. Donc l'on le président campé le fait résistance, il fait résistance, il fait résistance. Il fait résistance ensemble avec secteur privé et pas oublier peuple haïtien, majorité dirigeant ou gain dans pays a. Quitte ses sénateurs, quitte ses députés, quitte ses magistrats. C'est nèg dans le secteur privé qui finance yo. Qui finance commande. Depuis m'investi l'argent, faut m'entrer l'argent. De même pour président tout. Yo investi dans lui. Donc les consa, les présidents lui-même, les rivants, les comme étant donné, c'est peuple qui te vote président, ou qui a toujours financé campagne président. Mais les watan une série de contrats malachung tête en bas pour faire gros millions président pour aller signer bah ou désolé ça pas qu'a fait. Eh bien les comme ça même l'autre nèg yo cap conseiller président sénateur député ont investi dans yo sortant des peu haïtien yo pral commencer financer moun sa yo pour déstabiliser montrer que président pas bon monter des plans. Et des fois, gè des actions qu'on voit un grain haïtien fait, m'a demandé est-ce que tête li, est-ce qu'elle fou? Gè des actions posées dans la société contre le président. Et gè moun peuple haïtien malheureusement qui manifesté, qui pas konn pour qui ça manifesté.
Yo pensé c'est pour le pays yo manifesté mais pourtant menti. C'est parti messieurs ça yo non voilà. Bah yo connaît très très bien ça yo fait dans la République puisque peuple haïtien depuis 1987 jusqu'à journée jodia son seule bêtise qu'a répété dans pays d'Haïti. Ça veut dire yo même yo connaît ça yo fait très très bien. Yo tellement connaît ça yo fait très très bien. Imaginons président Jovenel Moïse dit monsieur moi prêt pour me ba nous 95% m'a prêt taxe 5% collaborer ensemble avec pour me bay oligarque en leçon. Mais yo tellement fidèle ensemble avec boss yo, yo tellement connaît ça yo fait, yo tellement connaît immédiatement au fin destituer président et bien tout bagaille pral rose pour yo sortant de là, yo fait des ordres sans camper. Tankou, pays d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, li pa nan guerre ensemble avec l'autre pays. Qui s'est passé? Eh bien, politiciens yo investi nan gang yo. Hommes d'affaires yo investi nan gang yo. Mais, gon série de gros pays, tankou Ukraine, tankou la Russie, tankou les États-Unis. Pile hommes d'affaires kon chiton kote, puis sortant de a, yo monton complot contre président, puis yo déclenchon la guerre. La guerre ça qui déclenche donc tête président chaud gardez nous y a géré dossier guerre divers pays gardez nous missile a tombé s'attendez à yo même pendant moment et puis yo même y a fait gros somme l'argent parce que pas vraiment de contrôle dans dossier commerce dans pays ya parce que président plus préoccupé ensemble avec dossier la guerre tout monde focus sur dossier la guerre et puis yo même y a fait million. Eh bien, dans le pays d'Haïti, peuple haïtien, tout autant qu'on président qui a bataille, qui a travaillé pour la stabilité, qu'on série de nègres qui ne veulent pas le président. Tout autant président a bataille pour mettre principe dans la boîte l'État, pour réforme faite, qu'on série de nègres qui ne acceptent pas. Parce que c'est les gens qui ont bilos, c'est les gens qui ont carreau. C'est les gangs qui ont touillé l'autre. Et les sa yo senti yo à l'aise dans le pays. Je ne j'en dis, est-ce qu'on t'en yo à plaire? Non, parce que pas aucun contrôle. Donc, nèg pas borisit nan politique yo plus remè chemin illégal là que chemin légal là, peuple haïtien. Est-ce qu'on comprend? Yo plus remè chemin illégal là que légal. Ou ap wè la plus ap travail pour transition au lieu de bataille pour élection faite. Parce que le connaît dans transition, pas gagné qui sous contrôle. Donc, pour prendre pouvoir, moi prêt pour investir dans gang yo. Pour prendre pouvoir, moun nan journaliste des fois même côté le bagé pour dormir mais il dit li ka aide jwenn zam. Li ka aide jouen bal, li ka aide jouen l'argent pour marcher pour le commissariat. Donc, point fiction, la bataille pour éliminer tout pour montrer que monsieur le président ou pas gen contrôle en yen, c'est nous qui gen contrôle et nous gen gang yo ensemble avec nous. Tandis que, mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré ces politiques qu'on a fait, gang rete gang, moun sérieux rete moun sérieux. Parce que faut pas oublier les confins utiliser gang yo, les confins investir dans yo, détruire yo pas facile. Mais dans pays d'Haïti, frères et sœurs bien-aimés, nèg yo prêt pour yo investir dans gang sans garder derrière parce que c'est gang qui permet yo prend pouvoir. C'est gang yo qui permet yo prend pouvoir et gang yo permet yo prend pouvoir dans deux sens. Li permet yo prend pouvoir dans transition, li permet yo prend pouvoir tout dans élection. Donc, dans transition, yo investi nan yo. Yo fait des ordres, yo kidnappé, yo boulé, yo touillé. Yo façon pour intimider président, pour mettre président dans ti soulier, le montrer que li pa gen contrôle pays a vraiment. Faut que li allez. Et frères et sœurs bien-aimés au Capaboué, bagaille a tellement dépassé limite pendant dernier moment yo là, gang n'a participé dans touyer un président. Est-ce qu'on comprend le dossier? Gang participé dans assassiner un président. Donc,
de jour en jour dans le pays d'Haïti, gang yo ap gradé. Et ou capable ou jouer jodi a peuple haïtien? Sénateur ak député mette ensemble avec homme d'affaires qui te fond gang ensemble avec policier qui te créé fantôme 509. Joune jodi a bandi sa ap fond tête policier. Li faut qu'on ait li même, c'est bandi le tuer. Parce que yon te konchita même côté ap travail. Lorsque sénateur de la République ou kou 2000 uniformes policiers. 2000 uniformes. Donc, l'on fin coûte tout uniforme, ça ou passe dans base gang, ça ou prend équipe, ou passe dans base gang, ça ou prend équipe, ou passe dans chaque base gang allié, ou yon prend équipe jeune garçon, ou habillé, ou mette uniforme sous yon, et puis, ou fait ou prend la ria. Donc, là, ou prend la ria, peuple haïtien, des fois, y a des moun qui mourent dans la manifestation, c'est pas vrai policier qui tue, mais c'est monsieur yon qui habillé jeune garçon gang, un policier puis s'entendait yo tirer sous moun pour ka di président voyer policier tirer manifestant. Est-ce qu'on comprend le dossier? Nèg yo fon ensemble. Comment gang yo aide yo gagner élection? Frère c'est ça bien-aimé. Si ou rale dossier chez méchant ou capable rappeler ou li di ou comme ça. Ancien député Tolbert Alexis te débarqué côté lui une première fois bali des âmes. Après ça le bral bali en pile Galil. Li dit le chercher quelques jeunes garçons préparer nous pral dans élection. Donc là que on zone et au capable ouais papa ici majorité groupe gang yo c'est dans quartier populaire yo yé. Côté qui gagne pile moun. Côté moun yo font pile petite. Donc, les que gon chef de gang qui contrôle yon secteur, moun sa yo, pa gen liberté, yo pa gen droit di m'pral vote intel, m'pap vote intel. C'est moun chef de gang nan vle ou vote a pou vote. Ou pa ka di ou pral vote intel, ou gen droit sa, ou gen droit choisi. Non, 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 pa yon bagay kon sa. Donc, les consa peuple haïtien, les élections pral fait, monsieur Ogon, j'en yon arrangé pour yon gen contrôle tel chef gang nan bloc ça. Pour yon négocier ensemble avec, bali ça le mérite. L'aime nous bali ça le mérite. Là, j'en zambal, tu comprends? Donc, comme dene manger, etc. Vous le séparez, bah, peuple y a son bagay comme ça. C'est pas pour sans raison, nan jou passé yo. Ou te tende vite l'homme te cite non diverses autorités, diverses sénateurs. Li di yo pa respecte promesse yo. Donc, souvent peuple haïtien, les moun sa ou pralé nan élection, yo parle ensemble avec chef gang. Sa ka arrive yo pa parle direct, mais yo voye yo moun kote li di, mais ça n'a pas fait pour. Donc, le kon sa, chef de gang nan li même la rangel, gade nos bus rentre nan zone nan. Moun full bus, al vote tourne. Et puis, les tout bloc sa fin vote pour sénateur intel, pour président intel, pour député, pour magistrat intel. Et puis, les moun yo rentre la kayo, yo jenon ti kit, ou bien yo jenon bel plat dur ensemble avec yon cuisse pour le plastique, et puis yon king cola, ou fin brel ou ranon gaz gore, et puis wal couche, wal dormi. Et puis, ton, après, chef Safin élu, li coupe pont ensemble avec chef de gang, et puis chef gang nan pral violer, pral touyer, pral assassiner. Et frère, c'est ça bien aimé, c'est pas pour sans raison. Bon série de magistrats dans la République, yon pas fouti rete dans la commune, parce que yon compte ça yon te fait. Et c'est triste, c'est grave pour magistrats dans la commune, ou pas kachita là-dedans. Ou pas yon contrôle la commune dans tout jour, non, ou l'autre côté. C'est moun ka bon rapport. Ça qui passe, il y a quelques promesses que nèg la te fait pendant que li te nan campagne. Malheureusement, promesse ça, li pa rive répondre ensemble avec. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou capable comprendre comment gang yo gagne une importance capitale dans yeux politiciens yo. Donc, immédiatement, yo prend pouvoir dans transition. Gang yo vin embarrasser pied yo pas capable ensemble avec yo
Nous te aidons pour pouvoir, nous te aidons déstabiliser, mais pas penser bagay yo pral rose pour nous. Yo pral mande intervention militaire pour touye parce que yo konnen yo pap katouye gang yo. Et tandis que papa ici, si communauté internationale la li même, pendant que sa yo tap déstabilisé, yo tap soutenu président pour comment président est capable de mettre sécurité, c'est moun sa yo qui tap dit nan moment, l'international pas fait ingérence, pas rentrer dans la politique pays, mais je ne jodi a, c'est au même cap exhorter l'international. C'est au même cap dit l'international prend responsabilité au mettre sécurité. Donc, sou pas décidé, moi, m'a continué voler, m'a folie à l'élection encore, m'a folie ça, ou même folie faire élection dans le pays, moi, même m'a folie ça. Donc, sou pas bon, nous intervention, pas d'élection dans ce pays. Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, peuple haïtien? Et là, autant de ces gangs qui sont au pouvoir dans l'élection, donc, tout n'est croisé pied. Yo pas gon projet de loi. Yo pas gon rien pour yo proposer à la République pour permettre la police vin puissant. Sénateur a quitté parlement pour aller dans manifestation contre insécurité. Tandis que le finance gang yo, la finance gang yo. Mais li pa gen capacité pour réfléchir. C'est président qui problème, elle lit pas qu'à nous sécurité. Tandis que, yo supposé jouer un rôle. Si que, c'est institution qui faible, si que, pas gué bon gens loi qui kembe la police là, à chaque opération le fait, gon, responsable doit moun, Pierre Espérance, qui a protégé droit gang yo li même, qui vini qui a intimidé la police, donc font une bataille pour nous rendre la police fort. Et frère, c'est ça bien aimé, c'est là où on comprend que Negyo a toujours bataille pour la police, pas jamais bien touché, pour la justice, pas jamais fort dans le pays, parce que fuck gang yo là, gang yo sont outils qui importants pour les politiciens. Et là où tombe dans le dossier économique, peuple haïtien, gang yo tous sont outils qui extrêmement importants pour homme d'affaires. Parce que les mouna mouri, les que des bases a pété balle, la presse a parlé de ça, donc pendant un moment, et des fois, même des gangs sa yo kap bataille, boss la finance tout deux. Et puis l'elfin ba yo chaque l'argent, li la gon problème entre yo. Et puis pendant yo a pété ba lui gon l'autre équipe li même, donc boss la passe se dégage ou passe ensemble avec ti contrebande nan pou la l'fè chimel. L'entende. Gang a pété balle tout côté, donc président, de temps en temps, l'oblige à chita dans le conseil des ministres pour la prendre des décisions. Donc, yon pas focus sur dossier commerce. Yon pas focus sur ça qu'a rentré dans le pays. Mettez, ou qu'on directe la douane, volé vicieux. Depuis le jeune l'argent par là, tout bagay a passé rentré sous territoire. Donc, peuple haïtien, ou vann nan zobop. L'entend de André Michel Kapel dou s'il pas joue une intervention militaire pas gagner élection. Donc frères et sœurs bien-aimés, ou toi c'est pas élection qui pral gagner, c'est sélection qui pral fait dans pays. Bagay la clé. Bagay la clé, c'est pas élection qui pral gagner mais c'est sélection si m'pa joine ça ou m'pa bo ça. Dossier élection libre, honnête, démocratique, patati patata, retirez ça dans le crâne ou pas de bagaille comme ça dans le pays d'Haïti, parce que yon sep citoyen pas qu'à camper pour le fond déclaration comme ça, et bien sous pas bon intervention, m'pap faire élection dans qui ça, dans propre pays ou? Dans propre pays ou? Sous pas bon militaire pour m'touye gang moyo, et bien désolé, nous pas préviser constitution, dans propre pays ou? Dans propre pays pas là? En tout cas, conseil des petits vacabons qui charabia sous moun doujou, c'est parce que nous voulons nous pas décider classer yo, mettez yo nan rôle yo, mettez yo côté au supposé. En tout cas, peuple haïtien, bâton nan men ou, crayon nan mon plume de nan men ou, dégageou, tracé chimé ou. Frère, c'est ça bien aimé, insolite nous pour journée jodi ou quoi c'est causé? Ça c'est le cas diaspora, attendez. Pour Gabi Mani, te Biden nan campé. Mais comment ça te Ebola quand elle a en suivre? Pourquoi c'est causé? Pourquoi c'est causé? Et si elle a manqué de casser pour lui, elle a traqué pour la vie qu'elle a été.
comme t'es annoncé ou, eh bien, frère, c'est ça, bien aimé, m'a fait ou qu'on est. Nan yon note, ministère commerce et industrie mette déjà. Yon fait qu'on est, eh bien, au conseil de transition, frères et sœurs bien-aimés, l'a gagné pour installer l'école en attendant dans le ministère si là. Bon, il n'est pas étonnant, l'autre semaine, nous t'entendons, au conseil de transition, a parlé de business, ti magi, ti sel, ti alimet, bah, il a ou la gueule. Alors, traka pour la vécaïté ou dans le pays, ça, bon. Pourquoi c'est causé? Bah, y'a pas petit même. Donc, au conseil là, well, la, loge kol en attendant dans le ministère commerce, tu comprends? En attendant, peu pas ici. Et puis, après ça, y'a kon kote yon mette yon. L'on va sous compte ou va promener de temps en temps. Gagné juge Martel Claude, hier qui t'a auditionné tout France Cole. Dans cas d'enquête, trafic d'armes et munitions, l'église épiscopale impliquée. Et Père France Cole, depuis août 2022, qui était en prison, donc, hier, la justice d'Andel, et jusqu'à présent, il y a divers autres pères qui en cavale sous dossier. Frère, c'est ça, bien aimé, faut que vous compreniez. Chaque endroit, il y a une signification. Et ça que fait toujours dit par Boris, tout autant nous on a pris une décision dans l'hôtel, on paye ces décisions créées. A grand, il a pas abouti. Préférez nous prendre des décisions en papier bois. Nous prenons des décisions bon tonnel ou qu'on est bien. Mais quand on prend des décisions, c'est ton tonnel, faut une bataille pour me faire sa vie dans le château. Mais là, bon décision dans l'hôtel, moun a passé, à qu'arrivons dans la réunion et puis gardez nous. Oui, rêve là, moun, gardez moun qui a fait conférence, ça, ça n'y a pas tout fait là. Qui sont qu'à espérer dans le pays ça? Au conseil de transition dans le ministère commerce. Eh ben, y a un problème, nous, nous allons faire business. Y a un problème, les gars. Parce que ça, bien aimé, bienvenue dans Haïti pays spécial. On regarde les vidéos ça ensemble. C'est la police, oui, s'il vous plaît. Haïti, messieurs Nenel Kassi. Ti messieurs André Michel. Ti messieurs Francel Beyo. Voilà. Ti messieurs Sénatek tap kout desan. Uniforme pour faux policiers. Allez. Ad kampe, l'uniforme la police li red sou li la. Aïe. Ou ka kompran papa ici lem di ou. Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti démocratie, c'est la république des coquets. Seul voleur au cabrité. Qui vivra verra. Qui mourra kakara. N'a fait place à Voix d'Amérique, presse information nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui pas trop long. Mesdames, messieurs, bonsoir, l'autre fois encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Nous prenons d'abord dans New York. Et bien, actualité a mené nous dans le siège des Nations Unies. Dans New York, côté violence groupe armé, phénomène insécurité dans le pays d'Haïti, t'es dans la tribune Nations Unies, puis précisément dans le Conseil de sécurité. Valérie Saint-Louis, t'es suivi pour nous, séance ça depuis New York. En effet, Jacqueline, jeudi, mardi 24 janvier, ça, dans le quartier général Lee, dans la cour New York, eh ben, c'était 9247e réunion Conseil de sécurité des Nations Unies qui était gagné dans l'agenda Lee, Haïti. Conseil a été présidé par représentant pays Japon qui était prend une minute de recueillement pour saluer mémoire diplomate ministre affaires étrangères pays Gabon, monsieur Michael Moussa Adamo qui mourit. Après un moment pour souhaiter condoléances à pays Gabon, réunion a été commencée avec représentant Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, madame Hélène Lalime qui était présentée au rapport sur situation pays d'Haïti. Madame Lalime parlait de crise là qui a continué pire raide dans pays avec violence gangue qui rivait dans un niveau que pas jamais moins depuis longtemps. Libye chiffre 1359 cas kidnapping qui recensé pour année 2022. Un chiffre qui doublé en totalité, 4 kidnappings par jour. 2183 crimes qui touchaient tout le monde dans la société. Un ancien candidat à la présidence avec directeur académie police là. Dans le rapport, Mme Aline parlait de bataille pour territoire qui a fait dans mi-temps deux gros coalitions gangs qui c'est G9 face à G-Peur qui causait un pile de gars dans le quartier Cité Soleil. Gang a terrorisé la population, recruté jeunes timoun dans mi-temps et violé femmes à timoun. Mme Aline précisait un cas de timoun 10 ans que gang a été violé.
Madame Laligne continue pour le dire dans le rapport que 5 millions de monde a fait face à crise famine grand goût dans le pays. Il parle tout de expiration mandat 10 sénateurs, ce qui fait que le pays d'Haïti n'a pas eu grand officiel qui est élu cap dirigeant. Il dit que gros décision clé que les Nations Unies prennent, si bien appliqué, il y a deux pays à rétablir l'état de droit et puis avancer pour rétablir institution démocratique. Une nan yo, c'est résolution 2653 qui mettait sanctions sur tout le monde qui a supporté et puis financé l'activité gang. D'après lui, décision ça a commencé par résultat dans le système judiciaire. Et ça permet tout que le secteur vie national là arrive chita ensemble sous table. Et c'est la première fois que le secteur privé a participé dans l'accord national consensus là qui était fait dans la date 21 décembre dernier. Et un accord qui supposait porter solution à la crise là, arriver à faire transition inclusive et organiser élections transparentes pour arriver à installer un président élu dans la date 7 février 2024 là. Mettez sous pied conseil électoral là et puis un comité qui pour réviser la constitution. Hélène Laligne parlait de support à la police nationale là avec augmentation budget de 50% et un apport financier de 162 millions de dollars. Déploiement une force internationale pour supporter la police nationale là important en pile. Il finit pour le dire président conseil là que majorité population dans le pays d'Haïti en faveur déploiement force ça pour permettre de vaquer à l'occupation. Parmi plusieurs autres représentants pays qui te prennent la parole, ambassadeur pays d'Haïti, lui-même tout pour Nations Unies, Antonio Rodrigue, te prend la parole pour présenter le rapport situation Pali. Et lui rappeler tout que l'intervention force militaire internationale là très important pour aider pays d'Haïti sortir dans la crise. Là. Faisons notre l'appel lancé par le secrétaire général dans son rapport au paragraphe 75. Et nous citons, malgré la fin du siège du terminal pétrolier de Varaoué, je réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai adressée le 8 octobre au président du Conseil. Fin de citation. C'est un grosso modo résumé ça que le capable fort de rapport que Mme Laligne, qui est représentante BINU dans le pays d'Haïti, a fait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a encore lui rappeler que l'intervention de force internationale en Haïti très important. Depuis New York, vous pouvez voir Creole, Valério Saint-Louis. Merci Valério Saint-Louis. Et puis dans le Fonds monétaire international, FMI, eh bien, institution a annoncé financement que y a bay Haïti pour aider et faire face à l'insécurité alimentaire. Sandra Lemaire, gain détail. Comité exécutif Fonds monétaire international, FMI, a approuvé un prêt 105 millions de dollars pour Haïti pour aider le faire face avec insécurité alimentaire. Institution a annoncé nouvelle là lundi dans moment Haïti a fait face avec raté divers produits essentiels qui causaient une crise humanitaire. Paiement qui tombait dans le cadre programme Fenêtre Choc Alimentaire FMI a visé contrer besoins urgents qui existaient pour l'argent pour gérer crise alimentaire globale là. FMI publié une déclaration côté dit inflation qui montait 17 hauteur rend Haïti plus fragile et puis augmenter souffrance une population qui déjà a fait face avec malnutrition. Directrice adjointe programme nan, Antoinette Saye, dit invasion la Russie fait dans Ukraine nan affecté situation en Haïti tout. FMI dit l'argent pral servi pour aider moun ki pi vulnérable à cause prix manger qui augmenté et que li pral financer programme alimentation et puis disposer transfert l'argent cash pour quelques citoyens qui n'ont besoin. Merci Sandra. Toujours dans le domaine assistance pour Haïti, gain gouvernement américain à travers agence États-Unis pour développement international USAID annoncé yon aide plus passé 65 millions de dollars pour faire face à crise humanitaire qui vient aggraver à cause épidémie choléra. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Délégation ça qui gagne en tête li Isobel Coleman, administratrice en après USAID, rencontré la presse journée mardi côté l'annoncé yon aide additionnelle de 65.5 millions de dollars en réponse à crise humanitaire qui aggravait notamment avec épidémie choléra. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, font un don de 56,5 millions de dollars d'aide humanitaire au peuple haïtien. En réponse à cet ensemble complexe de crises humanitaires, qui inclut la dernière épidémie de choléra, qui a considérablement aggravé une situation déjà désastreuse. Nouveau financement ça pour aider partenaires dans le pays d'Haïti répondre à besoins humanitaires urgents de plus passer 868 000 personnes.
Ce nouveau financement de 56,5 millions de dollars qui vient d'être annoncé aujourd'hui aidera les partenaires à répondre aux besoins humanitaires urgents de plus de 868 000 personnes à travers Haïti en distribuant des fournitures médicales et des médicaments. Ceci inclut des équipements de protection individuelle pour les agents de santé et des antibiotiques, des lits, des solutions de réhydratation pour les patients atteints de choléra. Cette aide consiste également à améliorer l'accès à l'eau potable et à renforcer le fonctionnement des établissements de santé, y compris les centres de traitement du choléra, essentiels pour ralentir la propagation de cette maladie dangereuse. L'agence a qui tombé dans un moment côté 4.5 millions haïtiens a souffri grand goût pour être capable aider moun sa yo tout selon ambassadeur Coleman fait face à crise grand goût. Ce nouveau financement fournira également une aide humanitaire, une aide alimentaire urgente en espèces pour acheter des articles essentiels sur les marchés locaux à un moment où 4.7 millions de personnes sont confrontées à une crise alimentaire extrême. Enfin, directrice en après USAID a fait connaître les États-Unis préoccupés en pile par rapport à la violence pays en connaît dernier temps ça et qui passe sans conséquence sur mesdames. Dans ça, il a annoncé bourrer de l'argent à l'agence américaine pour permettre mesdames qui victimes violence sexuelle d'avoir accès à soins de santé. Ce nouveau financement garantira également un accès immédiat à des soins médicaux et psychosociaux adéquats et à d'autres services pour les survivants de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. De tels soins sont essentiels pour prévenir d'autres dommages physiques et psychologiques. C'est dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince, conférence pour la presse s'est déroulée en présence chargée d'affaires AI américain Eric William Strohmayer. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves-Manuel. Faut dire que ambassadeur Isobel Coleman, qui c'est administrative en et adjoint USAID, il a fait une visite deux jours dans le pays d'Haïti. Il a bien pour le rencontrer tout avec officiel haïtien, il a bien pour le rencontrer tout avec représentant Nations Unies, avec tout et employé local agence là dans le pays d'Haïti. Côté là, pas abordé question insécurité alimentaire. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, yon avocat militant droit monde, Maître Arnel Rémy, mandé reprise totale activité yo dans tribunal ak nan paquet yo nan moment. Ministre Justice ak Sécurité publique là, Emily Prophète Missé, prend décision pour combattre détention préventive prolongée dans pays a ou nan Toussaint. En note li publié, ministre Justice ak Sécurité publique là, Emily Prophète Missé, annoncé traitement dossier judiciaire yo accéléré au niveau paquet 18 juridiction pays d'Haïti dans le cadre lutte contre détention préventive prolongée, il dit que illégal et arbitraire cap rongé système judiciaire haïtien. Selon notre plan, dans le mois de décembre 2022, magistrat yo rend yon total 247 réquisitoires définitifs ak 162 actes d'accusation ak yo voyé nan tribunal correctionnel pour tendre à juger 267 dossiers qui étaient en souffrance. Madame Prophète Milice fait connaître, résultat ça, c'est exigence chaque commissaire gouvernement ak substitut qui gagnait pour bail yon quota 10 réquisitoires ak actes d'accusation qui gagnent rapport ak dossier qui en souffrance dans chaque juridiction pays d'Haïti. Yon démarche, avocat militant droit moun, Maître Arnel Rémy salué, cependant, lui proposer que mon commissaire qui travaille en dehors parquet, en dehors prison, pour vérifier dans chaque cellule si par un prisonnier qui a d'accusation d'ordonnance dans le milieu et pour faire suivi auprès du parquet. Maître Arnel Rémy dit mon incapable guénamel réquisitoire ak acte d'accusation parquet pas jamais relil. Pendant que je suis venu en prison dernièrement, là, malheureux de trois clients, nous sommes handicapés. Qui ouem, volé, qui courir mandé, mettre mi, foutre en béton, mettre en qui a long sachet en plastique, qui s'en mène le sachet plastique là, il y a une ordonnance avec un acte d'accusation. Je prends le bouli, je vais faire ni deux ni trois, je prends le poté le parquet. Et comme de fait, il y aurait l'île. En plus de ça, avocat militant Douamoun, mandé l'État haïtien réunit conditions nécessaires pour faciliter travail, juge, commissaire gouvernement yo. Un, l'État prend responsabilité ni bail par l'édition locale qui va parler même, sécurisé, moderne. De deux, maintenant, le chaque magistrat, chaque commissaire gouvernement, en dehors de parenthèse, où on est
Actuellement, là, c'est deux bureaux pour 14 commissaires qui sont là. Qui va vous parler, chita pour parler d'exitoire? Il y a un commissaire qui vient à bloc, sauvez-moi. Ou dis-moi, préparez exitoire. Non, infrastructure, mettez en place d'abord. Oui, là, Toussaint. Pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci, Ronan Toussaint, ou toujours sous VOA Créole. Ou suivi un programme en langue créole haïtien. Actualité à d'abord, ici aux États-Unis. Eh ben, d'après dernière nouvelle, il y a un document qui classifié Kai, ancien vice-président Mike Pence. Donc, il y a un Kai, ancien président Donald Trump. Il y a un Kai, président actuel là, Joe Biden, mais qu'on y a, c'est tout pas Mike Pence. N'a pas su pour, c'est un dossier qui fait actualité à, dans les médias, ici, aux États-Unis. Et puis, l'autre point qui domine l'actualité à, ici, aux États-Unis, encore, c'est une autre fusillade qui bouleversait l'État Californie, il y a lundi. À fois ça, attaque la télévisé, il y a une communauté agricole qui est située au sud, dans San Francisco. Sandra Lemaire, gain détail. Sept moun perdit la vie dans deux fusillades qui déroulaient lundi dans un centre agricole qui situé bord la mer dans l'État Californie. Autorité yo dans communauté a qui situé au sud ville San Francisco fait qu'on ait arrêté suspect là. La police joint quatre cadavres avec un cinquième moun qui était blessé par balle dans un lieu et puis yo joint trois autres moun qui mourit à une distance quelques kilomètres à premier lieu à dans arrondissement San Mateo. Dave Pine, c'est président comité superviseur arrondissement San Mateo. Grieve tonight for the deceased members of our community. L'idée n'a pas été aujourd'hui à pour victimes qui étaient membres de communauté nous. Événement horrible ça, c'est un bagage nous pas jamais imaginé t'as arrivé arrondissement San Mateo. Zak violence dans pays ça arrivé dans un niveau qui complètement inacceptable. Ça clair pour tout le monde à Swea que nous cassé. Nous très reconnaissants vis-à-vis la police pour travail li fait à Swea. Mais conclusion nous qu'a tiré c'est que gain trop d'armes dans pays ça. Faut que ça change. C'est pas une façon acceptable pour une société moderne vivre et puis gérer zafèl li. N'a fait tout ça nous capable pour ça changer. Fusillade yo déroulé en dehors Half Moon Bay, une ville qui située à une distance 48 km au sud San Francisco. La police a arrêté Chun-Li Zhao, 67 ans, en connexion avec fusillade là. Il était joint monsieur dans machine devant commissariat Sharif Villa. Responsable yo quoi Zhao tap travail dans une installation yo et que victime yo était employé tout. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivi un programme en langue créole haïtienne, moi c'est Jacqueline Bélizère. Dernière nouvelle concernant le pays Ukraine ou bien guerre qui a déroulé dans le pays Ukraine ou bien l'invasion de la Russie dans le pays Ukraine, eh bien, qu'on y a et nouvelle, il fait qu'on ait un remaniement et une démission tout dans le cabinet ministériel pays Ukraine, Serge François Michel. Plusieurs autorités dans l'Ukraine annoncent démission aujourd'hui. Pendant le président Volodymyr Zelensky se dit qu'il a fait quelques changements dans le staff gouvernement. Ministre de Défense Vyacheslav Chaporov, qui était en charge de support logistique pour force ukrainienne, a quitté Posli. Pendant qu'il y a eu un scandale de distribution manger, assistant commissaire gouvernement Oleksiy Simonenko, avec assistant chef bureau Zelensky Kirilo Timoshenko, démissionnaient tout, sans bail raison pour démission. Et de l'autre côté, ministre de Défense allemand Boris Pistorius fait qu'on a jeudi médian décision gouvernementale sous question pour qu'on ait s'il n'a pas prouvé exploitation tank allemand Léopard 2 pour Ukraine. Décision ça a venu en va longtemps. Pendant qu'il y a pression de côté allié, entre autres, ça y a qui vient tank Léopard 2 qui voulait voir au bas Ukraine. Pistorius insistait pour dire qu'il y a une unité dans l'Alliance l'OTAN. Et il dit pendant qu'il y a un pays qui voulait aller plus vite passer l'autre, il n'y a pas divisé. Merci Serge François Michel. Nous prenons parler immigration. Eh bien, gain administration américaine, nan, ben chanter louange pour diminution qui gain dans quantité monde qui viennent et appliquer pour asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Mais Jean-Robert Philippe Capsu pour nous de très près dossier ça. Dis-nous que ça arrivait d'un moment côté que eh ben et programme immigration que le Humanitarian Power là, eh ben l'a appliqué et gain plusieurs monde qui gantan sorti par exemple Haïti dans l'autre pays gantan entrer aux États-Unis. Donc c'est d'un moment ça yo diminution. Jean-Robert Philippe,
pour dire nous plus. Quantité d'immigrants agents la douane à protection frontalière américaine Kimbe, dans le moment où ils cherchent à rentrer aux États-Unis illégalement, baissent sérieusement après l'administration Biden a imposé de nouvelles restrictions sur frontières. Diminution, ça a représenté un soulagement pour l'administration Biden qui était en bas en pile critique à cause quantité d'immigrants qui viennent demander asile sur frontière pas de suspendre augmenter. Pour moi, janvier, agent immigration a arrêté environ 4000 immigrants chaque jour, d'après trois officiels américains qui parlaient avec l'agence Nouvelle Reuters. Chiffre ça représente une diminution comparée à 7400 arrestations qui étaient faites chaque jour avant semaine fête Noël là. Diminution capable représenter plus petit chiffre toujours qui existait depuis février 2021, un mois après président Joe Biden était occupé la Maison Blanche. Président Biden, qui manifestait intention pour lui chercher un autre mandat dans l'élection présidentielle 2024 là, prolonger restrictions contre immigrants quatre autres pays qui pas capable de demander asile sur frontière Mexique partagée avec États-Unis. Restrictions yo qui m'a connu avec loi sanitaire titre 42 a été appliquée pour Mexicains, quelques immigrants Amérique centrale avec Venezuela. Depuis 5 janvier passé, a programme nan étant ni pour 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens avec Vénézuéliens chaque mois, à condition yo gagne un monde qui vive légalement aux États-Unis qui patronne yo, et yo débarqué dans un aéroport international américain. Ça pas longtemps président Joe Biden t'a déclaré processus nous mettait sous pied à plus rapide, li garantit sécurité et li coûtait seulement prix yon billet d'avion commercial comparé avec plusieurs milliers de dollars qui étaient fait immigrants payer pour un voyage dangereux. Donc choix li clair. Plusieurs officiels américains déclarés, d'habitude, arrestation sous frontière a diminué dans fin mois décembre à commencement mois janvier à cause période fête là. Agence la douane à sécurité frontalière pas répondre demande agence nouvelle Reuters fait pour commenter sur diminution quantité immigrants qui présentaient sous frontière pour venir demander asile. Immigrants qui déjà au Mexique avant annonce 5 janvier capable d'utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous avant de présenter sous frontière pour venir demander asile. Mois novembre 2022, agent frontalier a arrêté 206 000 immigrants qui ont cherché à rentrer sans document légal sous frontière sud-ouest États-Unis partagé avec Mexique. Chiffre pour mois décembre qui est beaucoup disponible, capable plus élevé, l'en considéré quantité immigrants qui est arrivé dans El Paso, Texas, mois passé. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Jean-Bert, avant aller, dis-nous non. Et t'as semblé que, d'après spécialistes, t'as semblé que le programme humanitaire parole là, ils ont effet, ils gagnent, ils ont résultat par rapport à quantité de monde qui a vu demander asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Que c'est dans le nord, que c'est dans le sud. Effectivement, la région dit, ah oui, son programme qui, c'est vrai que le programme n'en a débuté, il est là depuis pratiquement semaine passée, mais il suffit beaucoup vraiment officiel pour nous connaître qui quantité de monde qui est en bénéficié. Mais au moins, le rapport que, préliminaire qui fait tout monter, son programme qui a marché, il y a tout le monde, une sorte de contentement, puis le monde qui a fait des mains, et nous, les résultats, par exemple, dans le pays d'Haïti, côté il y a une affluence monde qui parle dans l'immigration, ou bien encore dans le bureau contribution pour y aller chercher document puis qu'a fait passeport. Donc son programme que n'a dit que le gouvernement américain sur ça les cherche à marquer point sur plusieurs fonds, non seulement les programmes et humanitaire et provisoire là, mais il y a tout l'autre programme que par exemple monde qui était déjà bloqué au Mexique, monde ça même tout il capable appliquer pour venir demander asile. Et en plus de ça, ils vont l'autre programme encore et programme ça lui-même son programme tant que par exemple côté demander américain eux-mêmes qui capable au moins accueillir la caillou et près de 125 000 immigrants, mais c'est un monde qui s'est réfugié, monde qui a relocalisé pour venir aux États-Unis. Nous, maintenant, et pour faire ce programme, Jacqueline, il a commencé normalement avec 10 000, en fait, 5 000 Américains, maintenant, et deux Américains patronnés, et un immigrant. Donc, ça veut dire que son programme que les États-Unis, pour les combattre le flot immigrants qui a vécu des souffrances, et donc, je pense qu'avec trois programmes, ça, il y a aussi, malgré les critiques qu'il y a, mais aussi que pour eux, même c'est la meilleure façon pour faire étrangers ou bien les gens qui veulent entrer aux États-Unis de façon légale. Si ça fait un programme ça sur pied, mais les républicains ne peuvent pas faire un programme ça comme ça.
Merci Jean-Robert. Donc, question immigration toujours dans l'actualité et surtout dans mi-temps deux principales parties que nous gagnons dans le pays. On a parlé du Parti démocrate là avec le Parti républicain. Merci Jean-Robert. Jean-Robert a suivi de très près pour nous. Question immigration. Et puis, qu'on y a eu l'autre point encore dans l'actualité à pas bon ici qui est séparé, qui est divisé deux et deux principales parties, c'est question avortement. Et d'ailleurs, nous avons eu marche qui était faite, marche sur les. Et pro life là, eh ben nous t'es well t'es passé vendredi qui se passait là. Et Valérie aussi lui parle pas les noms de abortion. Il trouvait dans New York. FDA, US Food and Drug Administration, qui c'est bio administration américain ça, qui gère manger avec médicaments aux États-Unis, pour première fois pour permettre pharmacie de vendre en détail un médicament, une graine pour avortement aux États-Unis. Agence a été fait annoncer dans mardi 3 janvier qui se passait là, pendant que plusieurs autres États ici aux États-Unis a cherché interdit médicaments avortement. Décision ça apporte un changement dans régulation avortement et ça pral potentiellement bay femme yo plus accès pour yo faire avortement pendant que administration président Joe Biden a lutté ak moins que le capable pour protéger droit pour moun faire avortement un droit qui te prend gros soufflette dans le tribunal suprême nan nous songe qui te renversé décision Roe v. Wade là une décision qui était sévèrement affecté et réduit droit pour avortement et te gen interdiction avortement sous état yo qui te vinn après décision ça. Pharmacie a déjà commencé à appliquer pour joindre certification pour qu'à distribuer grain avortement ça qui relé Marshall Preston nommé une dans des compagnies qui fait médicaments et puis si démarche ça gain succès yo pral capable dispenser grain directement bay patient yo là yo recevoir une prescription nan main yo docteur qui certifié pour ça. Officiel médecin en chef Web Medicine docteur John White parlé pour dit I think this decision by the FDA is important. Moi penser que décision ça que FDA prend c'est information importante sous santé publique et raison qui fait moi dire ça c'est que n'a metté avortement disponible pour monde à travers pays et puis pas seulement pour monde ça qui capable aller ouais un docteur ou soit aller dans une clinique spéciale. Décision ça pas veut dire que médicament mifepristone n'est pas disponible sans prescription que ou ca juste aller dans pharmacie et puis ou joindre ni. C'est pas ça que règle ça y est. Ou toujours besoin d'une prescription par un fournisseur soins la santé qui certifié. Qui veut dire, yo gain connaissance sur médicament ça, yo parlé avoir de médicament ça, yo connaît effet secondaire yo. Et puis tout yo doit aller dans une pharmacie certifiée qui pourra être capable dispenser médicament ça à baou. Mais libéral pi disponible toujours. Bon côté par yo activiste cap goumen pour droit avortement yo dit que grain nan gen bon genre réputation qui ka fait quoi que li en sécurité et li efficace sans risque pour un surdosage ou soit addiction. Dans plusieurs pays, tant qu'au pays aux Indes et Mexique, femmes capables d'acheter médicaments ça sans prescription pour provoquer avortement. Interdiction sur avortement qui était visé grain mifepristone là, t'est entré en vigueur dans plus passé une douzaine états. Femmes qui dans état ça yo, t'a qu'à voyager vinn dans l'autre état pour joindre médicament pour faire avortement. Président groupe anti-avortement SBA Pro Life America, Marjorie Daniel Fesser, t'a dit dernier mouvement dit ça mettait en danger sécurité femme yo ak la vie ti moun ki poko fèt yo. Dossier agence FDA montré un numéro très faible de cas mortalité qui associé avec médicament ça qui relé mifepristone. Par exemple, dans le mois de juin 2021, il y a un rapport qui sorti qui fait qu'on est que il y a 26 cas de mort qui étaient liés à grain ça sous une quantité de 4,9 millions de monde qui ont pris grain ça depuis qu'elle a été approuvée en septembre année 2000. De toute façon, officiellement, FDA a annoncé ici aux États-Unis grain mifepristone ça disponible pour femmes capables de faire avortement. Un sujet qui est très controversé tout en dedans communauté haïtienne ici aux États-Unis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis, ou toujours sur VOA Creole, ou suivi un programme en langue créole haïtien, et puis pas oublier l'autre plateforme nous, ou capable de contacter nous sur Facebook, côté ou attendez nous là, ou bien sur YouTube, ou bien sur VOA Nouvelle, côté que ou avez toutes dernières nouvelles que nous capables publier pour nous. Nous dit tout le monde merci qui voyait notre banon pour troisième mi-temps. Donc, nous avons troisième mi-temps pas chaque jour, mais troisième mi-temps vient de façon exceptionnelle. Hier, nous avons accueilli M. Samuel Madistin qui t'a parlé nous de certification jugio. Nous avons essayé d'entrer en contact avec l'autre monde que M. Madistin s'est testé nous, notamment le commissaire gouvernement, qui c'est Jacques Lafontaine qui lui-même dit que il pas voulait opiner, mais il connaît toujours été pour mettre Jacques Lafontaine s'il t'a voulu réagir par rapport à ça et mettre ma distincte et dit non troisième mythe. Donc la voix de l'Amérique veut accroître c'est qu'on s'ennuie nous ouvrir porte là et nous balancer tout ça n'a fait. Donc on y a nous connaît que dans week-end là Cap-Haïtien deuxième ville pays a accueilli 16e édition
Pop Jazz là, c'est une édition qui te réunit artistes qui sont tout partout, haïtiens et étrangers, mais différents rythmes, différentes tendances. C'était un bel bagage, un grand rendez-vous pour un pile monde, c'était un succès. Donc c'était 16e édition Pop Jazz dans ville au Cap haïtien. Et c'est là qu'on a mis fin à notre programme. Merci John Cummins, merci et Ben. Par contre, si c'est Abdelrahman ou bien si c'est... Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Moi, pralé, m'a quitté ou nan bwa papa bodje parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou. Bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi, c'est Foucault. Et n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bisous, bisous, one love. M'ramasse paquet moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais, m'a quitté ou nan bwa papa bodje parce que c'est lui-même seul qui est capable de protéger ou. Bah ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.